travail avec le sel, j'ai commencé à voir de mes yeux comme ça. Dès que j'ai commencé à voir de mes yeux comme ça, j'ai dit que, Simon. Et tu n'as pas encore reçu mes produits? Je n'ai même pas encore envoyé les produits, non? Voilà. Non. Voilà. Je vais enregistrer la vidéo aussi là. Je vais lancer ça maintenant. Les gens vont écouter. Parce que quand elle parle, les gens croient que je ne suis pas venue pour vous escroquer. Je ne suis pas venue. Non. Mais je ne suis pas. Je ne vois pas pourquoi les gens sont souvent en train de voir seulement escroquer, dis-donc. Hein? Même seulement le fait d'allumer ta caméra. On appelle ça une sensibilisation. Tu es en train de nous sensibiliser. Que ne croyons pas, ne croyez pas que tout est perdu. Hein? Mm-hmm. On peut rattraper la vie. Hein? Il faut, tu es en train de, d'apprendre aux gens, surtout nous les femmes là. Oui. Ne comptons pas toujours sur les hommes. Hein? Oui. On peut s'en sortir même sans ces hommes-là. Mm-hmm. Hein? Oui. On peut consulter. Toi, une femme peut mettre le château au sol. C'est ça. Et si l'homme a trois membres, il n'a pas quatre membres, il a deux membres comme toi. Voilà. Crois en toi et fais-toi, donne-toi un défi en toi-même. Donc, comme tu parles, voilà, c'est sucré. Moi-même, ça me plaît. C'est comme si tu me donnais encore mes propres paroles. J'ai dit qu'elle ne parle pas. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Je te dis que la maman, j'ai passé ma vie à pleurer. À pleurer. Moi, j'ai un enfant. Mon enfant a vu de toutes les couleurs. C'est mon enfant. Regarde un enfant qui va consoler sa mère, qui n'a que 10 ans. Oui. Je te dis que maman, je suis là, je t'aime. Tu n'as pas besoin de pleurer. Le Seigneur va nous aider. Un enfant qui te dit ça. Ouais. Parce que j'étais, comme les Allemands disent, j'étais fétiche. Donc le chat, tu me vois. Ferme la porte, Erika. Oui, oui. Hein? J'ai dit que tu me vois, on te voit, c'est que non, celle-là, elle souffre. Non, quand tu souffres, on voit sur ton visage, non. Quand tu souffres, on voit. J'ai dit que, hein? J'ai dit que 2 mois. Donc, ça fait 2 mois que tu me suis. Ouais. J'ai dit que, dès que le jour que j'ai. Je sais pas que quelqu'un m'a envoyé ta vidéo, je zappelle le Facebook. Je suis tombée sur la vidéo. J'ai dit que, merde, tu es en plein direct. Je suis le direct. Il dit que merde, comment la dame est en train de lire l'histoire. C'est comme si on a mis les gens seulement devant elle, qu'elle lit leur histoire comme ça là. C'est là où je suis restée scotchée sur le direct jusqu'à la fin. Quand le direct est fini, j'ai encore repris le direct. J'ai suivi. Le lendemain. Tu vas refaire notre direct. Hein? Dis que merde. Seigneur, peut-être que je vais voir moi, ma vie comme ça. Là, Dieu encore, peut-être envoyer quelqu'un qui va seulement dire que Simon, tu pleures même quoi? Et pourtant, ta vie n'a même pas encore commencé. Tu pleures quoi? Ouais. Non, ça. Sans te jeter de pleurs, tout est possible. Voilà. Donc, est-ce que les gens arrêtent de vous faire que escroquerie pour faire quoi avec? J'ai dit quand même seulement le fait d'écouter ta sensibilisation, le fait que tu allumes ta caméra, tu parles là. J'ai dit que c'est comme si tu as vu quand on allume l'interrupteur. C'est comme un interrupteur qu'on allumait dans ton corps. Ouais. Tu vois comment l'étincelle jaillit dans ton corps. Donc tu te dis que, hey, attends un peu, attends, je lis un peu encore moi-même ma vie ici. Est-ce que ce que la dame là en train de parler là ne me concerne pas? Est-ce que ce n'est. Elle n'est pas. Les conseils qu'elle donne là, ce n'est pas pour moi. Ce sont mes conseils.
Ce sont mes conseils. Ça me concerne. C'est ça. J'ai dit que ce soir même, j'ai dit que malgré que moi j'ai moi le Covid, je m'en fous. Si c'est le Covid, c'est fréquent parce que la vague dont on a eu la vague des fêtes. Oui. Donc même les enfants, c'est plein. C'est plein. Hein? Mais on s'en fout parce que bon, moi ça me dérange pas parce que moi j'ai pris mes vaccins et tout quoi. Donc quand ils te voient, quand tu es testé positif, une comme moi j'ai pris mes 3 doses. Donc c'est tranquille. Je ne me prends pas la tête. C'est juste ma quarantaine d'une semaine. Parce que bon, c'est pas grand de dire là que le ministre a dit que non, les gens qui ont même pris les trois doses de vaccin ne vont même plus entrer en quarantaine. Donc si tu es contaminé, c'est que tu es déjà immunisé, tu n'en peux pas en quarantaine. Oui. C'est les gens qui ont peut-être pris les 2 doses là, ils peuvent entrer en quarantaine d'une semaine. Donc, depuis hier que j'ai eu ça, bon, je suis calmé dans ma tête, ça ne me prend pas la tête. Ça te permet de t'asseoir, tu réfléchis. Bien même. Ça te permet de t'asseoir, tu revois encore bien. Tu vois, quand tu as dit que tu as fait 20 ans en Europe, Je n'aime même pas, ouais, je n'aime même pas l'aiguille. Pas que je n'ai pas eu, hein? Non, ma mère, quand Dieu t'a béni, hein, vraiment dit que Seigneur, tu m'as béni, hein? Oui. Tu as vu le genre que tu travailles, tu gardes ton argent, mais c'est la sueur de mon front, parce que ça, c'est la sueur de mon front. Moi, Amben, maladive que je suis, hein? Moi, je suis quelqu'un qui a été opéré. Comme on dit, tu peux être une devenant. Parce que selon les normes même de l'Europe, je suis une handicapée, je n'ai pas le droit de travailler. Je suis quelqu'un handicapé physique. Mais moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas moi rester sans rien faire. Exactement. Je reste sans rien faire. Je suis même plus malade. Si tu veux me tuer, demande-moi de m'asseoir. Je ne fais rien. Mais il y a des gens qui aiment ça, non? Il y a des gens qui cherchent seulement ça. Ils s'asseyent, ils ne font rien. Ah, ma mère, tu le connais. Elle dit qu'on m'a donné la pièce d'identité. J'ai dit que non, je ne veux pas. D'accord. Je suis pour moi handicapé. Chez nous, là, l'handicapé, c'est celui qui n'a plus le membre. J'ai mes 4 membres. On me dit que je suis handicapé. Comment? On m'a opéré, c'est bien vrai. Mais je peux me lever, aller travailler. Ils m'ont regardé comme ça. Et que non, moi, je respecte les gens que, même seulement quand je suis malade, fais une journée à la maison, je suis doublement malade. Attends, je vais saluer les gens ici. Bonsoir à ceux qui sont connectés. Je suis en train de causer avec une dame, ok? Et puis, ça fait 2 mois qu'elle écoute ce que je dis en ligne. C'est souvent, il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Je vous ai dit, si vous venez d'arriver, prenez le sel d'abord de votre cuisine, le sel que vous mettez dans la nourriture là. Mettez dans l'eau, vous le lavez avec. Et quand vous achetez les produits, écoutez mes vidéos. Parce que j'ai beaucoup de personnes aussi. Écoutez mes vidéos. Quand ils me lèvent pour parler là, je ne suis pas folle. C'est vrai que certaines personnes vont venir insulter, ils vont dire ce qu'ils veulent. Mais il y en a beaucoup parmi vous. Vous êtes à terre. Beaucoup de femmes surtout. Déjà que tu es à terre, l'homme même est parti. Tu es resté avec 1, 2, 3 enfants. Et tu n'as même pas de direction, tu n'as pas de devant, derrière. Si tu m'écoutes, tu n'as pas d'argent, ne m'appelle pas. Prends le sel qui coûte peut-être 25, tu te laves avec ta peau. Tu vas voir toi-même. La dame, c'est là, on est censé avoir une consultation. Donc, je suis en train de l'appeler, qu'on fasse la consultation. C'est là qu'elle commence à me faire tellement de témoignages. Elle dit que oh, 2 mois que je t'écoute, ma vie a changé, ceci, cela. Et elle n'a pas encore reçu mes produits. Parce que parfois, vous croyez que. Je suis pas là seulement pour vendre des produits. Je veux changer votre vie. Je veux changer votre mindset. Je veux que tu restes comme ça. Tu vois comment ta vie avance. Et ça commence dans la tête d'abord. Ça commence dans la tête. Quand elle a commencé à parler, je comprends pourquoi c'est maintenant que je parle avec elle. Parce que si elle a payé sa consultation depuis, je ne l'ai pas consultée. Sûrement, elle était trop. Sa vibration n'était pas bonne. Le sel de rééquilibre ta vision. Ça enlève les mauvaises énergies sur toi. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là comme ça, plein de mauvaises énergies. Tu accuses ton ex, tu accuses ton père, tu accuses ta mère, tu accuses le gouvernement. Tu as 50 accusations dans ta tête. Tu ne peux pas avancer. Là où elle est en train de parler, là,
Ça ne m'étonnerait pas qu'elle me dise demain qu'elle a reçu 15 000 euros, qu'elle a travaillé, qu'elle a un contrat de 50 000 euros. Parce qu'elle voit déjà son argent devant elle. Elle voit. Donc vraiment, personne ne va venir. Ce qui me plaît, c'est que le travail, si c'est une place. Si elle parle, tu m'écoutes avec ton mari ou ton gars. Tu fais, il ne fait pas, ne te dérange pas. Ça va se voir. Il fait, tu ne fais pas, ne te dérange pas. Ça va se voir. Tu vas rester comme ça là. Les bénédictions vont venir partout. Et le travail spirituel, c'est quelque chose que, même si tu es fatigué n'importe comment, que ça rentre dans ta routine. Dans ta routine. Tu rentres à 1 heure. Va, tu te laves avec le sel avant de dormir. Peut-être dans la nuit, il y a quelque chose que les ancêtres veulent te dire. Christelle Fomen, je n'embauche pas les gens qui se pensent comme ça. Tu es trop. Tu penses trop de pauvreté. Moi, mes employés, c'est là. C'est employé prospérité, je ne blague pas. Quand tu viens travailler avec moi, tu dois avoir. C'est que tu vas mettre la mauvaise énergie ici, là, dans tout qu'on fait. Les gens, wow, aidez-moi, aidez-moi. Wow, je ne veux pas, je n'aime pas. Il ne veut pas. Tu dois venir à moi en sachant que tes choses peuvent marcher. Et si vous êtes. Ceux qui sont venus, j'ai fait le lavage. Quand tu arrives, tu n'as pas écrit ce que tu veux. Tu vas t'asseoir, tu vas écrire ce que tu veux d'abord. Tu n'écris pas, je ne te consulte pas. Sachez ce que vous voulez. Et les blancs qui m'appellent tout le temps, là, arrêtez de m'appeler. Je ne cherche pas le mari. Vous comprenez, non? J'ai beaucoup de blancs qui m'appellent ces derniers jours. Je suis pas une agent de matrimonial, je cherche plus de blanc. Voilà. Si tu as des intérêts, tu te laves pas au sel. Ok? Tu ne te laves pas au sel. Pas du tout. Bon, ma chérie, dommage de 2 minutes et je vais continuer la consultation. Je pense qu'il fallait que les gens comprennent ce que tu étais en train de dire. Je pense qu'il fallait que les gens comprennent. Pas de soucis, mon père. Et puis parfois, je vous ai dit que j'étais tournée 13 ans en Europe. Je n'avais ni devant ni derrière. J'étais comme dire lang et lang. Pas de devant, pas de derrière. Jusqu'à ce que je comprenne. Donc peut-être vous venez d'arriver aujourd'hui, peut-être vous venez d'arriver. Ne vous inquiétez pas, les Decepticons, fâchez-vous, je m'en fous de vous en fait. Ma page, c'est une page free. Je parle, je dis si ce que je veux. Ça énerve quelqu'un, il se porte ses pieds, il part. Maintenant, quand tu viens de commencer à m'écouter, il y en a parmi vous que vous avez des chaînes, c'est-à-dire, tu es en train de m'écouter, on sait que tu vas aller te coucher à côté d'un homme tout à l'heure. Tu sais que l'homme là, il te ralentit. Bien même. Arrête de te battre avec lui. Arrête de lui dire que tu ne veux plus de lui. Fais ton travail spirituel. Lave-toi avec ton sel. Ta vibration va tellement s'élever qu'à un moment, soit il va élever aussi sa vibration, soit il va quitter à côté de toi. Et en quittant, il va quitter seul. Seul. Parce que le temps que tu perds, tu viens à côté de lui, tu mets mes vidéos, tu écoutes ce qu'elle dit, tu dois faire ce qu'elle dit. Ce n'est pas son temps, ce n'est pas sa part. C'est pas tout le monde qui est prêt pour écouter le message-ci. Il y a des gens que dès qu'ils vont me regarder, on se dit que, ah, elle dit même quoi là-bas. C'est un mot, dès que tu vas écouter deux, donc 30 secondes, tu vas dire, oui, tu étais où depuis que je suis né? Que maman, tu étais où? Que depuis 40 ans qu'elle souffre, tu es où? Je ne suis pas le messie de tout le monde. Je ne suis pas envoyé dans la vie de tout le monde. Faites votre travail. Les témoignages, j'ai tellement de témoignages. Donc parfois, ils me disent que je ne sais pas si vous aimez le direct, c'est moi qui fais les témoignages que les gens voient. Laissez vos vies changer. Le sel fait plus que ça. Maintenant, quand on dit que, ok, prends maintenant le sel rouge, le sel c'est ci, le sel c'est là. Parce que dans le spirituel, les couleurs agissent. Y a les humeurs. Parfois, tu regardes le rouge, tu es d'une certaine humeur. Tu as le noir, tu as une certaine humeur. Et quand l'argent va commencer à venir,
bosser. Ateba Joseph, je vais te supprimer sur ma page. Dernier avertissement. Il y en a beaucoup parmi vous, vous ne bossez pas. Vous ne bossez pas. On est samedi, hein, il est 22h, presque 30. Tu es là, tu regardes la télé. Tu regardes quoi sur la télé? Tu regardes quoi sur la télé? Tu regardes quoi? Tu as les projets dans ta tête. Mais toi, tu bosses sur tes projets. Tu as les enfants à la maison. Prends les enfants, tu les organises, ils travaillent avec toi. Quatre ans, 5 ans, mets-les là-bas. Ah, tu sais, ma fille, oh, elle ne sait pas faire ça. L'enfant de 10 ans, alors, elle. Oui, le sel de mer, c'est bon. Vous avez les choses dans votre esprit que vous voulez faire. Ces choses n'attendent que votre foi. C'est-à-dire que tu te lèves, tu dis que janvier, ça ne va pas se terminer sans que je n'ai fait ça. Janvier ne va pas se terminer. Bonsoir à la reine Leslie. Germaine Kougoun. Regardez, quand elle vous dit que je vous montre les parfums, les ceci, les cela. Tu travailles, à ton travail, tu ajoutes maintenant les produits spirituels. Parfois, tu laisses comme ça. Allez, mais peut-être vous voyez les. Si vous avez un Magida dans votre quartier qui a la boutique. Vous allez voir que il fait tout ce qu'il fait, il fait ses prières, mais il bosse. La preuve, il est ouvert à 5 heures. Toi, tu viens ouvrir la boutique à 9 heures. C'est normal qu'il vend depuis que toi. Bonsoir, Omonim Moukam. Le travail accompagne ton travail spirituel. Tu viens, tu mets ta main, tu bosses. Et quand tu laves au sel, ça, ton énergie, tu ne te fatigues pas vite. Ben, tu vas bosser, bosser, bosser. Tu dors 3 heures par jour. Ton secret, c'est quoi? Le sel. Le sel. Allez, wash myself. Et quand tu réfléchis, tes idées sont nettes. Le 16, c'est le premier niveau, ouais, niveau 0 quand tu arrives sur ma page. J'ai un truc de baron. Quand il te lit même d'abord, quand il te lit, quand tu dis que tu as commandé le 16, ça fait 3 semaines, tu ne vois aucun changement. Les gens font avec le sel qui n'est pas béni, ça change dans leur vie. Si t'as pas, on a béni le 16, ça ne change pas. Hein. Parce que souvent, vous là, vous voulez seulement qu'on vous force pour passer pour les choses. Si vous avez pris le sel, prenez le sel avec le sang de Jésus. Il y a le gel sang de Jésus, il y a le sel sang de Jésus. Prenez les bains. Et mettez aussi la foi dans ce que vous faites. Parfois, vous croyez que, ok, comme elle a dit que je prends le sel, je mets seulement dans l'eau, je me lave avec. Tu mets le sel dans l'eau, tu prends ta prière, tu parles. Tu mets ton cœur sur ça. C'est là que tu sors tes poumons. Tes poumons, ce n'est pas pour l'homme. Tu mets tout ton cœur, tes poumons sur ça. Vous allez avancer. Je vous dis que vous allez avancer. Voilà, janvier, non. Il y en a que le chiffre d'affaires. Seulement 14 jours, de 15 jours, c'est là. Vous avez à faire le chiffre d'affaires que vous faisiez avant à 3 mois. Vous avez à faire. Je vais donner les produits commerce aujourd'hui. J'ai parlé de parfum. Parfum, truc. Huile attirance, huile célébrité, huile de blindage, parfum, donne-moi tout.
Boule de commandement. Il y a les boules de commandement à Yaoundé. Commandez. Arrivez à un endroit, vous dites que c'est bon. Écoutez, je vais avancer. Et quand tu parles avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller dire à quelqu'un que je vais avancer, tu vas voir, je vais avancer. Hein, tu ne m'aimes pas dans la maison aussi. Laissez vos femmes tranquilles, laissez vos maris tranquilles. Parle pour toi-même, à toi-même. Donc si tu prends le sel, tu lances seulement dans l'eau comme ça, là, ce sera juste un sel normal pour toi. Et écoutez mes vidéos. C'est moi qui veux les vues. Écoutez les vidéos, écoutez. Parfois, tu regardes, tu écoutes. Ça t'adresse un problème que tu es dans ta tête depuis 6 mois. Vous allez avancer. Mettez vos plans. Cherchez les architectes là. On vous trace le plan de la maison. Tu n'as pas encore acheté le terrain, mais tu as le plan de la maison. Oui. Tu as le plan de la maison. Tu déposes ça le matin quand tu fais le don. Tu parles. Tu parles. Au nom de Jésus, je déclare. Au nom de Jésus. Tu as dit, tu parles sur ta marchandise. Tu parles sur ta marchandise. Le contact de Yaoundé. Vous m'écrivez. Oui. Je fais 20 minutes sans regarder au téléphone. Les messages. Je cherche le contact de la femme de Yaoundé. Personne ne peut venir changer vos choses pour vous. Et ça me plaît. Ça me plaît. Voilà. Ok. Donc, je remercie la dame qui a fait son témoignage au début de cette vidéo. J'espère que vous allez avancer sur vos choses. Vous allez comprendre que ce n'est plus parce qu'on m'avait fait ça au village. Ce n'est plus parce que... Et vous, les chrétiens, là, quand vous êtes partis à l'église, on a dit que prie seulement, ne fais rien d'autre. Prie seulement. Tu as prié depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que tu pries, non? Avoue le sel sur ta prière, tu vas voir. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Moi-même, je vous bénis. Je vous bénis. Il y a les produits, il y a les poudres de lavage. Voilà les poudres de lavage. Il y a les sel sang de Jésus. Je vous ai montré dans la journée l'huile célébrité. L'huile attirance. Le parfum, donne-moi tout. J'ai aussi les box pour la prospérité. Écoutez, tout ce qui tire, vous allez bouger. Tout ce qui bouge, vous allez tirer sur ça. Une fille est venue aujourd'hui, elle m'a dit que tout ce qu'elle a, elle a gratté le fond de son porte-monnaie, c'était 15 000 pour acheter les produits. Je lui ai dit que tu sais quoi, comme tu achètes 15 000, il y a au moment où tu vas sortir 150 000, tu vas acheter tes produits. Et en achetant, tu vas balancer avec ta voiture. Ça, donc, tu sais que le mois-là, tu as fait même 2 millions de recettes. 2 millions de bénéfices. On commence quelque part. Voilà. Pour te réveiller, si tu es endormi, tu dois faire le lavage de sang. Tu te fais sans fatiguer. Lave-toi au sel, mamie. Ok. Bonne soirée à vous. Je continue ma consultation. Bye bye.